Donc, on voulait faire l'ambiance du jardin qui est green, green, green. Hein, c'est Green Sober Day. Est-ce que tu veux donc un foulard, Marie? Ils sont là, mes foulards. Attends. Du coup... Ah, comment je vais faire? Je mets là. Juste pour... Ça va si je mets sur toi, là? Ah oui. Je sais pas, en fait, ça te... Non, ça te dérange ou... C'est parce qu'en attendant que je donne les foulards et tout. Voilà. On a un green, green musicien. Hop. Écoute, voilà. Alors. C'est la fête du printemps. Et la joie. Alors. Marie. C'est comme tu veux, enfin, ce que je veux dire. Enfin, bon, je vais prendre le petit bouquin aussi. Alors, où est-ce qu'il est mon texte? C'est mieux. Ce sera plus... Non, mais je sais pas, qu'est-ce que tu as pris comme instrument aujourd'hui? J'ai pas ma petite boule. Ou même si tu veux faire autre chose, hein, des percus, tout ça. Comme tu veux, Marie. Libre à toi de. Tiens, je vais aller. J'arrive pas. Ah, il faudrait que tu me ramènes tes... J'y pensais aussi l'autre jour. Tes cuillères, là. Il faudrait que tu ramènes tes cuillères. Oui, mais il faut encore le marteau. Et je ne suis pas chez moi parce que... Et alors, ça va marcher la dernière fois? Non, parce qu'il faut faire avec deux cuillères. Moi, j'ai fait avec une. Ah bah, tu ramènes des cuillères et moi, j'ai des masses. C'était une masse qu'il fallait, je crois. Des quoi? Une masse. On avait eu avec le marteau et tu m'as dit que c'était mieux avec une masse. Ouais. Voilà, donc on vous propose de fêter notre événement. Enfin, c'est pas notre événement, hein, c'est un événement planétaire. Hein. Le Green, Green, Green. Sober Day. Saint Patrick Day. Parce que Saint Patrick, c'était quand même celui qui a évangélisé l'Irlande. Donc en fait, il a été aussi, comment dire, au service d'un druide en Irlande. Il était anglais. Et à 16 ans, il a été enlevé par des pirates. C'est une histoire de dingue. Saint Patrick, il vivait dans les années genre entre 300 et 400 après Jésus-Christ. Hein. Ouais. Et enfin, bah, à cette époque, les pirates, c'était monnaie courante. Et puis, il y avait encore beaucoup d'esclavage. Donc, il a été mis en esclave. Et il est bien tombé parce qu'il est tombé à garder des brebis
en Irlande avec un druide. Donc le druide lui a tout enseigné, évidemment, on imagine bien. C'est vrai, quand on a des images de Saint-Patrick, on le voit... Tiens, la fluorite, c'est vert. On le voit, la fluorite. On le voit, Saint-Patrick, comment dire, en image... vous verrez, si vous regardez Saint-Patrick, vous allez voir, il a une grande barbe, il a un sceptre de gardien de mouton, là. Attends, je vais en faire le tour par là, pardon. Et il est... comment dire, il est, bah on a vraiment l'impression, il est en évêque, hein, et on a vraiment l'impression que c'est un druide, hein, que ça ressemble à Merlin, avec la barbe blanche, tout ça, effectivement. Et donc en fait, après, je crois que c'est le pape Céleste, un pape qui s'appelait Céleste, qui l'a nommé évêque, et lui a demandé d'aller évangéliser toute l'Irlande. Parce que bon, d'abord, il est parti, je ne sais plus, faire le séminaire, etc., pour devenir prêtre. Et après, le pape, Céleste, lui a demandé d'aller évangéliser l'Irlande. Donc du coup, le voilà, comme ça. Et donc, c'est pour ça que... Alors, la Saint-Patrick, telle qu'elle est fêtée maintenant, c'est une saint qui est fêtée... comment dire, c'est seulement en 1800 et quelques, même 1900, je crois. Ils ont commencé à fêter ça, les immigrés d'Irlande, vers Boston, tout ça, aux États-Unis, ont lancé ce mouvement de fête. Et le jour de 17 mars, aujourd'hui, c'est normalement le jour de l'anniversaire de la mort de Saint-Patrick. Et ce que ça veut dire, c'est que maintenant, il y a cette fête-là, mais qui n'a pas existé tout le temps, longtemps. C'est la fête du vert, le jour le plus vert de l'année, le trèfle. Parce que le trèfle, il s'en était servi, lui, pour expliquer la Trinité et tous ces trucs-là. Et c'est un symbole, le 3, dans beaucoup de cultures. Le triskel, breton, ça, on le retrouve en Bretagne. Bref, tout ça pour dire que la Saint-Patrick, par contre, depuis seulement quelques siècles, fait des ravages en termes de santé publique. Parce que le problème, c'est qu'il y a des consommations d'alcool. Hein. Peut-être pas en ce moment, voilà. Alors que ça n'a rien à voir. On peut fêter, c'est la fête du printemps, de la joie, de la danse. Il n'y a aucune raison de mettre de l'alcool là-dedans. Parce que ça fait beaucoup de morts. Bon, pas avec le Covid, puisque personne n'a plus le droit d'aller prendre de l'alcool. Mais, justement, donc, c'est pour ça qu'il y a des mouvements aussi de fête qui s'appellent Saint Patrick Sober Day. Et parce que voilà, on peut chanter, danser, c'est ce qu'on fait d'habitude, faire de la musique, et pour tout ça, on n'a pas besoin d'alcool, surtout pas. Et alors, sinon, pour vous reprendre, puisqu'on est, nous, à fêter les fêtes traditionnelles tout le temps, j'ai repris, donc c'est dans le livre, donc La Sagesse du Cercle, donc de Claire Jozan-Mézel, et là, je vais vous lire juste le petit passage pour la Saint-Patrick. Enfin, voilà, c'est la fête, c'est l'équinoxe de printemps. Il me semble que c'est qu'on est à l'équilibre. Équilibre jour-nuit. Équinoxe de printemps, là. Et on est donc à... Donc, on avait fait... Que je me trompe pas. Alors, c'est avant... Voilà, c'est ça. C'est Alban Ayler. Ayler. Donc ça, c'est en celte. 21 mars, donc là on est le 17, mais c'est quasiment le 21, voilà, correspond à la lumière au terrenne. C'est ça, l'équinoxe de printemps. Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai une notification là-bas. Ah, c'est la notification qui dit que le live elle est sur Discord. Et du coup, je sais pas si on me voit là, parce que là, de toute façon, le truc c'est qu'on m'entende plutôt. Donc, équinoxe de printemps. C'est ce que je disais donc. C'est la deuxième fête du printemps qui représente la date pivot entre la moitié sombre et la moitié claire de l'année. Donc, alors en chinois, parce qu'il y a aussi les interprétations en chinois, parce que les Chinois aussi, ils ont les 8 fêtes, ils découpent l'année en 8, comme les Celtes. Sa substance est yang, sa manifestation est yin, et son essence est yang. Donc il représente le soleil, l'éclair, le feu, la clarté,
la force et la beauté. Le printemps est là, et grâce à la pluie, hein. Eh oui, ça nettoie aussi la pluie, et ça fait que l'herbe, elle pousse, et ça devient vert. Les jours sont maintenant plus longs que les nuits. Donc c'est le petit masculin qui sera évoqué à la suite dans la roue de médecine. Voilà. Là, on va vous parler de ça, mais voilà. Donc là, le petit masculin qui sort. Masculin sacré, tout ça. Voilà. Donc, du coup... Oh bah, je me suis choquée, hein. Surtout avec le poil. Donc, n'attrapez pas froid. Chauffez-vous encore. Ah, voilà. Alors, et ben voilà, c'est joli. Ah, je peux laisser avec ça. Ah oui, peut-être que t'as pas envie d'avoir la caméra tout le temps sur toi. Donc du coup, c'est un plan plus large. Un plan comme ça. Voilà. Hop là! Et voilà les amis, notre petite mascotte. C'est le moment aussi de faire vos vœux. Des vœux, c'est les petits lutins de la Saint-Patrick qui sont comme ça. Parce que on retrouve la même couleur, le vert prairie. Et ils sont réputés, ces petits lutins, pour rapporter des richesses. Voilà. Ils sont des alchimistes, ces petits lutins. Donc vous pouvez émettre vos vœux dans cette période, voilà. Vous émettez vos vœux, donc toujours en mode positif, hein, voilà. Et puis, les petits lutins qui sont dans le monde de l'invisible vont peut-être venir intercéder pour vous et vous donner ce dont vous avez besoin, voilà. Exactement. Donc on se le garde avec nous, le petit lutin. On va demander des richesses. Je sais pas si on la voit, mon ampoule, donc du coup, on la voit partout. La petite lampe, on ne la voit pas. Pourquoi ? Oh.
T-shirt. Donc je vous le dis.
Alors on a été vite. On repart. Oh.
Thank you.
Et voilà. Mince. C'est même pratique d'éteindre la lampe avec le masque. Ah la vache, comment on fait? Comment fait-on pour éteindre une lampe quand on a un masque? Regarde celle-là. Alors attends. Quel doigt. Une astuce? Avec les doigts, oui, mais avec les doigts. Okay. Tu fais ça toi? Ça, si tu vas pas te brûler. Waouh, bravo. Merci. Et qu'est-ce que je disais? Oui, je disais, on met un peu la musique. Je vous rappelle, on peut retrouver sur le SoundCloud les voix du cœur. Alors, on a déjà fait pour les fêtes, on fait surtout, on fait beaucoup les fêtes celtiques, on fait tous les mercredis. Vous allez retrouver sur Spotify, ça s'appelle Artistes les voix du cœur. Et sur le SoundCloud, vous avez, ça doit être à Summer de Zen. Voilà, je pense que c'est à Summer de Zen. Et le vert, c'est vraiment la couleur aussi qui calme et qui apaise. L'espoir également, l'espoir. Oui, bien de le rappeler, l'espoir. La fin de la pandémie. La fin de la pandémie, voilà. Peut-être pas la fin de la pandémie, mais en tout cas, le début de quelque chose, voilà. Ne pas retourner sur les acquis qu'on a eus. C'est ça aussi, l'espoir. C'est-à-dire qu'on n'en finit pas de la pandémie et puis on retourne avec nos mauvaises habitudes d'avant. Ouais. En gros. Ouais. Donc il faut que ça soit vraiment différent, quoi. Allez. Le masque pour vous dire au revoir. Voilà. Voilà, maintenant que tout le monde est parti, à bientôt et bonjour de la Saint-Patrick à tout le monde encore une fois. Voilà. À bientôt. Donc, vous pouvez suivre notre programme. Je vous remets le lien, le petit follow, le petit point d'exclamation follow. N'hésitez pas à venir aussi sur le Discord. Il y a plein d'infos, on met aussi des films, des choses comme ça. Et je vous conseille, ah oui, petit message de la fin, allez voir, enfin récupérer de manière, acheter pour regarder ce film, le dernier Pixar, qui s'appelle Soul. C'est extraordinaire, voilà, il est vraiment top. Je vous le conseille très très vivement et... Et pour vous dire que là, c'est une journée qui commence, qui a bien commencé. Plein d'énergie, la chance pour tout le monde. Le trèfle à fond, à fond. Et comment dire, je finis aussi avec la petite fluorine que j'ai ramassée moi-même dans les Pyrénées-Orientales. Comme quoi, on peut trouver des trésors. Sans le savoir aussi, hein, parce que je ne savais pas quand je l'ai ramassé. Laissez-vous guider par votre intuition et ouvrez-vous et vous allez voir que les choses, elles vont venir et vous allez récolter. Voilà. Et la pluie, on ne va pas pester sur la pluie, elle est bienvenue, elle rend les choses plus vertes, elle dépollue l'air. Voilà, tranquille. Hein. On va toujours trouver un positif à tout ce qui... tout ce qu'on peut vivre, tout ce qui est là, au jour le jour, voilà. Et ce qui vient après, voilà. Bon, je vous envoie pas sur un raid, de toute façon, je vous laisse choisir vos activités, regarder un petit peu en fonction de l'endroit où vous vous trouvez. Donc, very, very happy, super, sober, green, Saint Patrick Day for everybody and all around the world, and I'll see you soon. Bye bye. La chance, lucky, green day.